Certaines personnes sont des entrepreneurs en série, avec toujours de nouvelles idées commerciales. Notre premier entrepreneur a eu beaucoup de réussite avec des entreprises allant de la fabrication de vêtements jusqu'au tourisme, tout en étant l'un des plus grands exportateurs d'artisanat en Haïti. C'est le retour de son fils de vacances avec un ami qui voulait faire le tour d'Haïti qui a donné à Jean-Lionel Pressoir l'idée de sa dernière entreprise commerciale. L'idée, ça a commencé lorsqu'il y a plusieurs jeunes qui viennent en Haïti et ils sont tellement contents de retourner dans le pays que ils étaient voulés présenter le pays à le monde entier. Et c'est comme ça que nous décidons ensemble que nous allons faire un guide qui est le guide Panorama. Et aussi pour nous ouvrir tout Haïti pour permettre que étudiants, monde étranger, capables de rentrer dans le pays. Et puis à ce moment-là, nous avons tout service possible et imaginable. Maman compagnon et les logistiques. Et nous gagnons différentes branches. Nous gagnons une branche tout Haïti qui est vraiment dans le tourisme. Et puis nous avons l'autre branche qui s'occupe de événements et conceptions. Et c'est comme ça que ils ont fait appel à la logistique, par exemple, le secrétaire d'État a rentré en Haïti, pour nous être capables de construire, faire toute une logistique qui pour permettre de nous recevoir le secrétaire d'État à Caracol. Lionel est passionné par le développement du tourisme en Haïti et surtout par les Haïtiens. Il veut les éduquer sur de nombreux avantages qui puissent en découler. Moi-même, je suis optimiste. On vit nous capables de prendre un coup de bois dans la tête et puis m'a dit, mon cher, c'est pas de photo ou pas de flip, un coup de bois. Nous espérons qu'à travers un pile bagaille, par exemple, nous avons une émission de radio, à travers la fondation, nous avons créé les fondations Destination Haïti, nous avons une émission de radio pour nous capables de parler avec la population, pour nous capables de comprendre l'importance du tourisme et qui côté nous capables d'aller ensemble. Normalement, moi, je dis que le tourisme, là, c'est un monde qui vient acheter. Les vins achetés, ça nous gagne pour nous vendre. Et ça nous gagne pour nous vendre, hein, c'est notre histoire, notre culture et en pile produit. Alors, qui veut dire que les touristes là sont consommateurs? L'industrie du tourisme touche de nombreux autres secteurs d'activité. Et Lionel est fier que ses efforts aient un large impact économique. Ou bien l'autre secteur dans le tourisme, par exemple, ou bien la restauration, ou bien l'hôtellerie, et ou bien en pile l'autre. Entreprises qui formaient les maillons de la chaîne du tourisme. À travers tout Haïti, côté, nous avons à peu près une vingtaine de personnes aujourd'hui qui travaillent, mais nous espérons que dans 5 ans, nous avons privé 100-150 personnes qui travaillent pour nous. Mais en même temps, nous sommes créateurs d'emplois à travers d'autres entreprises. Par exemple, nous travaillons avec hôtels, nous travaillons avec restaurants, nous travaillons avec tour opérateurs, nous travaillons avec monde qui fait excursion, etc. Alors, qui veut dire que à travers tout Haïti, nous distribuer travail là, nous distribuer les efforts pour le développement du tourisme. Pour Lionel, le mot-clé dans les affaires est vision. Être en mesure de voir où vous souhaitez amener votre entreprise. Alors, qui veut dire que on met commencer petit, mais sous mettez force là-dedans, mettez courage là-dedans, mettez volonté là-dedans. Et puis ensuite, c'est pour établir vision. Vision, non, c'est lui-même qui va le mener. Et puis à ce moment-là, nous prenons un pays qui va changer totalement. Vision.